Wesh l'équipe, c'est Miku, j'espère que vous allez bien. En tout cas, je souhaite vous remercier avant que la vidéo setup commence parce que vous étiez très nombreux à me demander cette vidéo-là. J'espère qu'elle va vous plaire. N'hésitez pas à bombarder de likes, les gars, si la vidéo vous plaît. Je vous dis tout de suite pour la vidéo setup. Allez, c'est parti. Re l'équipe, c'est Miku, allez pour le setup, allez, suivez-moi, les gars. Alors, comme vous voyez ici, de suite, on voit les deux beaux écrans, les gars, de 32 pouces. Tous les liens seront en description. C'est de la marque V-Sonic. Les amis, j'ai le premier écran ici qui est relié à ma PS4, mon second écran qui est relié à mon PC, mais les deux sont reliés au PC. On passe tout de suite au PC Gamer, à la Tour Gamer, les amis, je vous laisse regarder cette bête. Les amis, c'est un i7 de 16 Go. Après, je sais rien. Verrez-toi en description. Verrez-toi en description, les amis, je mettrai un par un. En tout cas, c'est moi qui l'ai monté, j'ai acheté tous les composants sur ces discounts. Il me manque juste une carte graphique dans cette tour. J'ai un PC mais sans carte graphique. Je vous expliquerai pourquoi, parce que en fait je manquais de budget. Du coup j'attends encore un peu pour m'acheter une carte graphique. C'est pour ça que je stream uniquement sur ma PS4, parce que je peux pas streamer sur mon PC. J'ai pas de carte graphique pour jouer en même temps. Et du coup je filme juste avec mon i7 qui me permet de filmer en 60 fps en très bonne qualité sur le live. D'ailleurs je vous invite à venir sur le live, je suis en live tous les soirs sur ma chaîne YouTube. On passe de suite sur le trépied. Le trépied, c'est un trépied Rode. Très classique, très connu sur les youtubeurs. Très bon trépied, c'est de la bombe. Je pense que c'est la bombe. On passe au micro. Micro, c'est un Auna, c'est ça? C'est un Auna, ouais. C'est un Auna, voilà. C'est un bon micro, une 60aine d'euros sur Amazon. Je vous mettrai le lien en description aussi si vous voulez checker. Ici, vous avez la lumière qui me permet de streamer. Une grosse lumière blanche qui éclaire tout mon setup. Qui est très bien pour les lives et pour faire les vidéos. Du coup, c'est une lumière blanche, c'est le top pour les youtubeurs, notamment ceux qui font la vidéo. Ici, on passe sur la P922, les amis de Logitech. La 922, c'est la dernière qui vient de sortir pour le stream, le live. C'est le top, ça fait une très bonne qualité. Ensuite, ici, j'ai une petite télécommande. Une petite télécommande, les amis, qui va me permettre de changer les couleurs que je veux sur mon petit sur ma petite bandelette. Moi, j'aime bien laisser sur du rose violet, donc on va laisser comme ça et après on peut régler, voyez. Bon, on va laisser sur le violet. Ensuite, les amis, quoi, on passe sur le clavier souris. C'est un clavier souris de la marque Empire Gaming, les amis. Je vous ai fait une vidéo unboxing. Normalement vous savez tout sur cette clavier, cette souris. C'est le top pour ce que je fais, c'est le top, ça me suffit amplement. Ensuite, la manette PS4 qui est relié bien sûr à un PS4 qui est derrière, qui est caché, les gars, ouais. Parce que tous les câbles sont cachés et tout, et je vous montre pas ce bordel, c'est un gros bordel. Du coup, sur la table, vous voyez tout à l'heure une caméra, c'est une caméra Nikon P600, les amis, je vous mettrai le lien en description. Je l'ai pas encore testé, c'est une nouvelle caméra que j'ai eu par un collègue à moi. Je vais sûrement le tester sur mes vidéos, mes vlogs, etc. Toutes les vidéos qui vont arriver sur la chaîne, ça sera filmé de cet écran. Là, c'est mon iPhone 6S qui filme, les amis, pour cette vidéo. J'espère que la qualité et le son sera bien. Et voilà. De toute façon, bientôt, tu reçois ta batterie, ouais, de la Nikon. Je reçois la batterie. J'ai mis un petit trépied, les amis, histoire de bien checker ça. Histoire de bien profiter. Là, vous voyez que c'est un écran, donc je pourrais le tourner. Pour mes vlogs, en fait, voilà, vous le tournez. Et comme ça, vous avez le retour sur le côté droit. Et du coup, l'objectif ici. Voilà pour cette caméra. Hop, ici sur le micro, vous voyez que j'ai une mousse acoustique, les amis. C'est une petite mousse que j'ai achetée sur Amazon qui me permet justement d'éviter de postiner dedans, tout ça et tout. Et du coup, écoutez, il y a les paquets de toute façon. J'ai toutes les couleurs si je veux changer les mousses, les gars. J'ai le noir, le jaune, le bleu, etc. Mais j'aime bien le rouge parce que justement j'ai les mousses acoustiques, ah ouais. Les mousses acoustiques de chez Wish, les gars. J'en ai fait une vidéo aussi déballage. Si vous voulez aller voir la vidéo, tout sera en description de toute façon, la vidéo déballage. Et donc en fait, on les achète comment? Je les ai reçus dans une petite enveloppe, les amis. Dans une petite enveloppe, c'était tout sous vide. Et il fallait laisser 48 à 72 heures à l'air pur pour qu'ils gonflent. Et franchement, c'est le top parce que c'est insonorisé de fou. Et ça marche très bien pour le prix que c'est. Et pour ce que je fais, c'est le top. Voilà, donc ici c'est le coin gaming, on va dire, le coin où je passe tous mes lives, tout le temps quand je joue aux jeux vidéo, quand je fais mes lives, mes vidéos, tout est fait ici, sur ça, et cette chaise, les gars. Qui est le mien, hein, on va le dire. Qui est à Shiraz, qui me prête de temps en temps. Voilà, ensuite les amis, on se retrouve pour mon petit coin dégustation, pour mon petit coin plaisir à moi, les gars. Vous voyez mon petit stock de goûter.
c'est mon stock qui va me permettre sur mes lives de longue durée à survivre, on va dire, sur mes lives, qui va me permettre à grignoter par-ci par-là, manger quelques chips, quelques goûters, etc. Ici, sur tout le côté haut de l'étagère, vous voyez la partie salée, donc tout ce qui est chips, etc. Et la partie bas, tout ce qui est biscuits, chocolat, etc. Ici, j'ai mon stock de packs d'eau de cristalline parce que je bois que de l'eau. Et voilà, je ne bois pas de soda ou de boisson pendant mes lives. Ici, sur cette table, les amis, vous voyez ma petite collection de DBZ, mes deux petites figurines pop avec la petite figurine Sagoku qui est à Shiraz et deux jeux que j'estime les plus gros de DBZ. C'est mon enfance, c'est tout ce que j'ai joué quand j'étais petit à DBZ sur PS2 et je les ai gardés. Voilà, ensuite on retrouve les casquettes que je mets de temps en temps. Du coup, que c'est mes casquettes préférées, mais j'en ai plein d'autres. Les petits jeux que je joue sur PS4 quand j'en ai marre de Fortnite, notamment avec GTA, WW2 et Black Ops 3, qui va être remplacé bientôt par Black Ops 4, les amis. Voilà, je pense qu'on a fait, on a fait le tour, les amis, pour cette vidéo setup. Attends, je te coupe. Il fallait que tu enlèves la carte, parce qu'on avait un tout petit peu la carte, donc ça me bat les couilles. Ça me bat les couilles. Vas-y, continue. Voilà les amis, je pense qu'on a fait le tour de cette chambre, de ce coin de gaming, les amis. En tout cas, je vous remercie parce que vous étiez très très nombreux à m'avoir demandé ce setup, les amis. Petite parenthèse que j'ai oublié, là vous voyez sur le setup, ce qui est bien, enfin sur le PC Gamer, c'est que là vous avez les contourings rouges, mais j'ai aussi les autres contouring, les amis. J'ai aussi dans cette boîte, quand vous achetez le boîtier PC qui sera bien sûr en description, il vous envoie aussi des petites magnettes, enfin les magnettes, des petites caches pour remplacer. Donc vous avez noir, rouge et blanc. Moi j'ai laissé ceux d'origine en rouge parce que j'ai pas forcément l'utilité ou l'envie de changer. Mais je le changerai sûrement en blanc parce que le blanc c'est une très très belle couleur que je trouve, c'est vraiment le top. Car je vais mettre des ventilateurs juste devant. Ça va être plus design. Voilà, plus design, plus esthétique, juste pour le côté esthétique. Viens voir. Et vous voyez aussi que dans la tour vous avez. Attends, refais, j'ai eu mon doigt. C'est bon. Enfin, recule alors. Viens voir. Et vous voyez aussi que dans la tour vous avez des petits LED qui sont éclairés. Regarde, montre-leur. C'est plutôt sympa, c'est plutôt sympathique. Voilà. Donc je vous montre aussi. Je voulais vous montrer ça aussi. Ça, on est bon. Je voulais vous montrer la lumière. Vous voyez comme ça éclaire, les gars. Vas-y, regarde, filme-moi. Vous voyez sans l'éclairage et regardez avec l'éclairage. Ouais, c'est beaucoup mieux, les gars. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, les amis. Vous abonner à la chaîne, la cloche de notification pour être notifié de toutes mes vidéos, de tous mes lives, les amis. Je suis en live tous les jours sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Vous avez été très très nombreux à me l'avoir demandé. Je vous remercie en tout cas. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram et sur Snapchat. Tous les liens sont en description, les amis. Et vous abonner surtout à la chaîne YouTube, activez la cloche de notification. C'était Mikouche pour la vidéo setup 2018. On se retrouve en 2019 pour la prochaine vidéo setup. Il y aura pas mal de changements parce que j'ai plein d'idées en tête pour changer mon setup, notamment pour l'améliorer. Je vous souhaite à tous. En tout cas, je vous remercie parce que vous étiez très très nombreux à m'avoir demandé ce setup, les amis. Petite parenthèse que j'ai oublié, là vous voyez sur le setup, ce qui est bien, enfin sur le PC Gamer, c'est que là vous avez les contourings rouges. Mais j'ai aussi les autres contouring, les amis. J'ai aussi dans cette boîte, quand vous achetez le boîtier PC qui sera bien sûr en description, il vous envoie aussi des petites magnettes, enfin les magnettes, des petites caches pour remplacer. Donc vous avez noir, rouge et blanc. Moi j'ai laissé ceux d'origine en rouge parce que j'ai pas forcément l'utilité ou l'envie de changer. Mais je le changerai sûrement en blanc parce que le blanc c'est une très très belle couleur que je trouve, c'est vraiment le top. Car je vais mettre des ventilateurs juste devant. Ça va être plus design. Voilà, plus design, plus esthétique, juste pour le côté esthétique. Viens voir. Et vous voyez aussi que dans la tour, vous avez des petits LED qui sont éclairés. Regarde, montre-leur. C'est plutôt sympa, c'est plutôt sympathique. Voilà. Donc je vous montre aussi. Je voulais vous montrer ça aussi. Ça, on est bon. Je voulais vous montrer la lumière. Vous voyez comme ça éclaire, les gars. Vas-y, regarde, filme-moi. Vous voyez sans l'éclairage et regardez avec l'éclairage. Ouais, c'est beaucoup mieux, les gars. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, les amis. Vous abonner à la chaîne, la cloche de notification pour être notifié de toutes mes vidéos, de tous mes lives, les amis. Je suis en live tous les jours sur ma chaîne YouTube.
J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Vous avez été très très nombreux à me l'avoir demandé. Je vous remercie en tout cas. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram et sur Snapchat. Tous les liens sont en description, les amis. Et vous abonnez surtout à la chaîne YouTube. Activez la cloche de notification. C'était Mikouche pour la vidéo setup 2018. On se retrouve en 2019 pour la prochaine vidéo setup. Il y aura pas mal de changements parce que j'ai plein d'idées en tête pour changer mon setup, notamment pour l'améliorer. Je vous souhaite à tous une bonne journée à tous. C'était Mikouche. Ciao!